Je ne comprends pas qu'un homme aussi intelligent soit tombé si bas. Voilà. Vous lui laissez le bénéfice du doute ou vous pensez qu'il y a vraiment un souci ? Ben écoutez, je ne fais pas partie de la commission d'enquête et je pense que c'est à eux de décider et de voir. Il y a toujours évidemment le doute. C'est un peu débile parce qu'en fait, il aurait dû un peu mieux gérer en fait pour qu'il puisse rester. Moi, je trouve que c'était bien ce qu'il faisait, mais après, il a démissionné. On s'attendait à ce qu'il démissionne de façon beaucoup plus rapide, un petit peu comme Yvan Mayer l'a fait. En fait, une fois que le scandale éclate, je crois qu'il faut prendre ses responsabilités et s'effacer, quoi. Il est très aimable, très gentil. Évidemment, tout ce qu'on dit sur lui, est-ce vrai, est-ce faux ? Je n'en sais rien. De toute façon, je pense que les politiques en Belgique sont tous pareils, que ce soit de droite, de centre ou de l'autre côté. Et aujourd'hui, le climat de confiance est rompu avec toutes les affaires qui sont en cours. Et moi-même qui suis citoyen bruxellois, demain je devrais voter, je ne sais même pas pour qui je dois voter.